À travers sa story Instagram, Lady Eliza Spencer, la nièce de Lady Diana, a dévoilé une adorable photo de sa sœur, Lady Kitty Spencer, avec sa fille, née le 10 mars 2024. Le 10 mars dernier, à l'occasion de la fête des mères en Angleterre, Lady Kitty Spencer, la cousine du prince William, avait annoncé être devenue l'heureuse maman d'une petite fille. Si son prénom ni sa date de naissance ne sont connus, elle fait le bonheur de ses parents, Kitty et Michael Lewis. Récemment, la jeune maman a profité d'une journée avec sa petite fille et sa sœur, Lady Eliza Spencer, comme le rapporte le magazine Hello, ce mercredi 29 mai. Ce week-end, elles ont profité d'un spectacle Chelsea in Bloom à Londres. Lady Eliza s'est donc empressée d'immortaliser ce moment en partageant sur son compte Instagram une photo de sa grande sœur portant sa petite fille dans les bras. Vêtue d'une robe à pois noir et blanc, elle regardait une exposition sur le thème de Very Hungry Caterpillar. De son côté, son bout de chou portait une robe à col popeline bleue et blanche avec un cardigan crème, des collants blancs et des petites chaussures assorties. Une matinée tellement spéciale avec mes filles @kitty.spencer, a écrit Lady Eliza sur le tendre cliché. Nul doute qu'elles ont passé un très bon moment en famille. Kitty Spencer, la nièce de Diana, maman, qui est son mari Michael Lewis, de 32 ans son aîné. C'est en mai 2019 que Lady Kitty Spencer a officialisé sa relation avec le père de sa fille, Michael Lewis, de 32 ans son aîné. Les deux amoureux se sont ensuite dit « oui » en grande pompe à Rome, le 24 juillet 2021. Mais qui est cet homme richissime, né en Afrique du Sud? Michael Lewis est un homme d'affaires. Père de trois enfants issus d'un premier mariage, le magnat de la mode est président du groupe Foschini depuis 2015. Propriétaire d'un manoir de 19 millions de livres sterling dans le centre de Londres, ainsi que d'une autre maison au Cap en Afrique du Sud, sa fortune s'élèverait à 80 millions de livres sterling, soit environ 94 millions d'euros. Une fortune qui lui vient de son grand-père qui a fondé les magasins de meubles Lewis dans les années 1930. Son père, Stanley Lewis, lui, a investi dans le groupe Foschini dans les années 1980. Un groupe dans lequel il a ensuite siégé au conseil d'administration du groupe, avant d'en devenir le président.